Voilà la pâtisserie du Chalet Royal. Avec notre chef pâtissier qui va nous aider aussi à faire grandir cette table. Là, je viens d'arriver, ça fait un mois que je suis ici. Donc on est en train déjà de restructurer un petit peu la pâtisserie, réorganiser à ma façon la pâtisserie, comment je veux que le travail soit fait. Donc le premier dessert qu'on va faire, ça va être un Paris-Brest. Donc quelque chose de classique, très gourmand comme dessert. Nous faisons un praliné maison. Donc c'est du sucre caramélisé avec des noisettes, un peu de fleur de sel qui sont mixées. Ce praliné-là, on va l'utiliser dans notre crème qu'on va rajouter et la fameuse pâte à choux. On coupe juste le petit chapeau. Voilà, on prend un emporte-pièce pour avoir des chapeaux bien droits, bien nets. On les décore avec un peu de sucre glace et de cacao poudre. Donc ensuite, on fait avec un cornet, avec du chocolat fondu à l'intérieur, un petit décor à l'assiette. Voilà. Et ensuite, on prend notre crème pralinée. On vient poser nos choux sur l'assiette. Dans le fond du chou, on vient mettre un petit peu de praliné maison. On vient mettre également un suprême de citron vert à l'intérieur de nos choux. Ensuite, dans les deux premiers choux, on va mettre la crème pralinée. On vient poser les deux petits chapeaux dessus. Et ensuite, on va mettre une petite boule de gaz café. Voilà, et qu'on vient poser sur le chou. Et ensuite, on va mettre un peu de feuillore. Voilà le Paris-Brest.